Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Telle est la devise de la compagnie XY, l'un des plus grands collectifs de portée acrobatique. Pour aller encore plus loin, la compagnie s'est entourée du chorégraphe Rachidou Ramdan pour la création de leur prochain spectacle. Présentation. Quel est le thème de votre spectacle que vous êtes en train de créer à La Brèche ? Alors, sur Moebius, on est parti de l'inspiration très large des murmurations. Tu vois, c'est les bandes d'oiseaux ou de poissons en très grand nombre qui se déplacent, ils se touchent jamais, il n'y a jamais de collision, et pourtant ils sont des millions, et on ne sait pas comment... Il y a encore du mystère là-dedans, on ne sait pas vraiment comment ils font. Donc on est parti de cette inspiration très large, et avec nos corps et notre acrobatie, on essaye de retranscrire un peu cette magie et à la fois cette philosophie d'arriver à faire ensemble à aussi grand nombre. Est-ce que dans votre prochain spectacle, vous utiliserez des accessoires ? Si oui, lesquels ? Dans le prochain spectacle, on n'aura pas d'accessoires. Justement, on est revenu vraiment à la simplicité, juste des corps et les fachas. Les fachas, c'est ça, là, c'est les tissus qu'on met autour de la taille, mais après, on n'aura pas du tout d'accessoires. Est-ce que votre spectacle, il n'y aura que des figures ou il y aura d'autres sortes de spectacles ? Et ouais, bah, dans le spectacle, il y aura l'acrobatie, il y aura la danse aussi, il y aura, on va dire, des jeux, des théâtres, mais je ne dirais pas qu'il y aura la danse, l'acrobatie et le théâtre, sinon que dans le spectacle, tu pourras reconnaître un peu les trois, mais pas dans des moments précis, ça serait un mix pour moi. Ça serait plutôt quel type de danse ? Pour le spectacle, on travaille avec le chorégraphe Rachid. Lui, il vient de la danse contemporaine. Et après, il faut aussi tenir en compte, nous, on n'est pas des danseurs. Un peu tous, on a fait un peu de formation de danse, mais pas comme un danseur. En fait, à la base, on est des circassiennes. Et voilà. Est-ce que ça raconte une histoire, un petit peu, le spectacle que vous êtes en train de raconter, ou c'est juste des acrobaties comme ça ? Ça sera quelque chose plus abstrait, on va dire, un côté plus poétique, et ça sera pas une histoire avec un début et un fin assez clair, et ça sera, voilà, comme je disais, abstrait, et je pense que ça peut arriver que ça provoque des différents sentiments entre deux personnes qui voient le même spectacle.